On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Je me suis à peine remis de mon lendemain de veille de débat présidentiel aux États-Unis que la Cour suprême nous frappe déjà sur un autre coup. Immunité présidentielle, victoire partielle pour Donald Trump. On décortique tout ça avec Luc la liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Ouais, donc, on dit victoire partielle. Voilà, victoire partielle, puis si on ne se limite, parce que la portée est plus grande que ça, on l'aura deviné, donc ça touche l'ensemble de la présidence. Mais pour Donald Trump, c'est plus que ce qu'il espérait. D'abord, dans un premier temps, le jugement arrive très tard. Donc, on est rendu... C'est très rare qu'on prolonge au mois de juillet du côté de la Cour suprême. Donc, pour Donald Trump, ce très long délai, c'était déjà une victoire en soi parce que ça reportait le début du procès. Maintenant, on peut s'attendre à ce que le procès soit reporté encore plus loin. Et pour ça, bien sûr, faut parler du contenu de ce fameux jugement. Donc, on a tranché la poire en deux pour ce qui est de l'immunité présidentielle dans un premier temps. On a dit l'immunité, elle est totale pour un président quand c'est une tâche qu'il doit accomplir comme président. À l'intérieur des limites de ce qu'un président fait pour la Constitution, il n'y a pas de crime. Si le président le fait, il n'y a pas de crime. On se croirait revenu à l'époque de Richard Nixon. Hein, si le président le fait, c'est légal. Et de l'autre côté, on a dit ben, ce qu'il fait à titre personnel, ce qui fait qu'il n'est pas, quand il n'est pas dans ses fonctions présidentielles, pour ça, on peut le poursuivre. C'était déjà intéressant parce que ensuite, ce que ça exige des tribunaux, ce que ça exige d'un juge comme Mme Chutkan, qui va être la juge, qui est la juge qui dirige le procès de Washington pour l'assaut du 6 janvier 2021, ça va être de faire le ménage entre est-ce qu'il y a des choses dans l'accusation portée par Jack Smith, le procureur spécial, est-ce qu'il y a des choses qui relèvent des fonctions officielles de Donald Trump? Et est-ce qu'il y a des choses qu'il fait en dehors de ses fameuses fonctions? Est-ce qu'inciter, par exemple, les gens à se rendre au Capitole, c'est un président qui fait ça aussi, c'est Donald Trump, le candidat, l'individu, donc on verra pour ça. À l'intérieur même maintenant de ce jugement-là, là où Donald Trump a eu une plus grande victoire, puis on peut penser à Donald Trump reprenant la présidence au mois de novembre. On a dit, vous ne pouvez même pas considérer, quand vous attaquez un président, quand vous le poursuivez, vous ne pouvez même pas considérer les discussions ou les gestes qu'il aurait fait à titre de président dans votre poursuite contre lui à titre personnel. Encore là, pour Donald Trump, c'est une victoire pour le procès du 6 janvier. Ça veut dire que le procureur Jack Smith qui déposait les poursuites, lui, doit revoir l'ensemble de sa preuve. Pas juste des accusations, mais de la preuve. Et c'est la même chose pour la juge Chutkan. Là où Donald Trump gagne, ça fait beaucoup de fois hein, que je répète « gagne ouais. », c'est qu'il peut en appeler à l'intérieur de ça de chacun des rejets ou de chacun des ajouts qu'on va faire à l'intérieur de la poursuite. Donc, on va avoir de très, très longues démarches. Je serais le premier surpris si la juge Chutkan, qui était prête à travailler rapidement, est capable de déposer des accusations, de démarrer le procès avant le 5 novembre. Maintenant, pour l'avenir, c'est énorme aussi. Ça veut dire que le président devient, quand il est président, quelqu'un de très, très, très puissant. J'avais l'impression, je m'attendais à ce genre de jugement-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'on définisse dans le détail ce qu'est l'immunité. Mais on est près de ce que je croyais qu'on allait éviter. On est très, très près d'un président qui peut à peu près tout faire. Donc, c'est ce que le jugement d'hier nous donne comme information. Donc, c'est étonnant, si on est un partisan de Donald Trump, ben écoutez, tant mieux, on vient d'obtenir quelque chose de majeur. Mais si on regarde les institutions elles-mêmes, si on regarde la présidence américaine, on va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais qu'un président serait en mesure de faire. Fallait lire hier les juges qui ont fait dissension. C'était intéressant. Ben oui. Madame Sotomayor a dit on n'est pas loin d'un roi. Là, le président est, dans ses fonctions de président, l'équivalent d'un roi.
Puis c'est ce que s'est empressé de répondre Joe Biden, puis les opposants de Donald Trump. Ouais, c'est la chose qui vient toujours me chercher. Déjà, Luc, je t'avoue, le pardon présidentiel, moi, ce concept-là qui existait déjà et qui continue à exister, pour moi, c'est tellement aberrant que aujourd'hui, en 2024, il y a un homme politique qui a ce pouvoir-là, qui puisse même se pardonner lui-même. Je veux dire, ça fait partie des choses qu'il peut faire. Il n'y a comme pas de limite. Déjà, je trouvais que ça ressemblait à la monarchie absolue quand tu es dans ce poste-là. Là, il lui donne encore plus de pouvoir. Puis je veux dire, c'est très théorique, mais Mme Sotomayor, justement, dans ce qu'elle explique, elle dit, est-ce que dans ses fonctions, le président peut juste décider de tuer un adversaire politique en disant, ben, je l'ai fait comme président, je suis le commander-in-chief, j'ordonne aux forces armées puis aux forces spéciales d'aller tuer quelqu'un, puis il peut pas s'en poursuivre pour ça. Pour moi, c'est d'une aberration, Luc. Honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre comment un pays démocratique peut juste aller de l'avant avec des mesures comme ça. Voilà, il va y avoir des débats autour de ça, parce que le président, puis là, mettons qu'on oublions Trump un moment. Quand on a regardé aller George W. Bush en politique intérieure et en politique étrangère, quand on a observé aussi la présidence de Barack Obama, ce sont des présidents, Joe Biden le fait souvent, ce sont des présidents qui poussent à la limite les pouvoirs de l'exécutif. Et ça nous montre ce jugement-là qu'il y a une évolution très importante au plan historique. On n'aurait pas imaginé un tel jugement puis une telle situation au 19e siècle. Mais depuis le début du 20e siècle, ce qu'on voit, c'est une croissance des pouvoirs de la présidence et l'individu lui-même qui obtient plus de pouvoir. Et c'est là où j'ai été étonné parce que ces juges-là disent, on est des originalistes. La majorité des conservateurs qui sont à la Cour suprême disent, on interprète le texte comme il a été écrit et pensé au moment où on a rédigé la Constitution. Ça fait fi de beaucoup d'évolutions, hein, on en conviendra. Mais en même temps, à l'origine, dans la Constitution américaine, c'est clair qu'on veut que le pouvoir législatif soit plus fort. On vient de quitter une monarchie, on vient de quitter un roi, on vient de quitter l'Angleterre comme pays. Et c'est clair, moi, la séparation des pouvoirs, que c'est le pouvoir législatif qui devrait être le plus important. Donc, c'est là, moi, mon étonnement. Si on a des juges qui disent, et on le sait, on est originaliste, déjà dans ma tête, il y a un bout qui fonctionne pas, parce que je me dis, c'est faire fi de l'évolution du pays depuis 1787, quand on signe ce fameux document, quand on s'entend et qu'on commence à le soumettre aux législatures d'État pour dire, voilà, nous avons une constitution. Donc, ça en soi, c'est déjà énorme. C'est comme une contradiction. Et c'est beaucoup de pouvoir, effectivement, entre les mains d'un même homme dans un pays démocratique. Et je répète, ouais. Ça veut dire que quand on questionnait, par exemple, le recours au drone de la part de Barack Obama, parce qu'il le fait, puis il le fait dans des situations controversées, ça veut dire que tout ça, et ça, on est allé loin, le juge Roberts a dit on ne peut même pas présumer de ce qu'il y a dans la tête du président quand il décide de faire ça. Donc, c'est vraiment une immunité mur à mur. Donc, même si on oublie Trump, même si on est démocrate ou progressiste, c'est beaucoup de pouvoir entre les mains du même individu. Ouais, absolument. Là, au lendemain du débat, là, on a eu la fin de semaine pour décanter un peu. Joe Biden a dit qu'il allait rester, peu importe, tout va bien, Madame la Marquise. Le débat, on l'a gagné. Mais les voix continuent de s'élever un peu partout pour demander qu'il parte, qu'il quitte. Et là, toi, tu nous as trouvé deux candidats, candidates là, potentiels pour toi qui seraient optimaux là, pour remplacer M. Biden. Oui, ben écoute, on regarde les dernières années. On a regardé les dernières élections dans les États ou encore dans les législatures. Si on devait remplacer Joe Biden, ça nous prend quelque chose de frais. Ça nous prend quelque chose d'un peu plus jeune. Ça nous prend une rupture de génération. Mais il faut aussi être stratégique en pensant à l'électorat, aux enjeux, puis aux endroits où on a besoin d'aller chercher des votes. Et c'est comme ça que j'ai établi mon duo de choc. Et ils font partie de la liste de quelques personnes comme président. Moi, je les ai alliés ensemble. J'irai avec Gretchen Whitmer, donc qui est une gouverneure. C'est la région des Grands Lacs. On est dans des états pivots, dans des swing states. Madame Whitmer, bien sûr, est une femme. On est dans une année où la question de l'avortement va être sur toutes les lèvres. Ça risque d'être une question de l'urne. Hein? On y est revenu souvent cette année, mais une des deux ou trois grandes questions
autour desquels on va mobiliser les électeurs. Donc, Mme Whitmer a cet avantage d'être dans un état, appelons ça comme ça, mauve, hein, à la limite entre le bleu et le rouge. Ça va être très serré, c'est ce que les sondages indiquent encore. Et il y a cette question du vote des femmes, pas que des femmes, sur la question de l'avortement. Mais bien sûr, c'est une thématique qui touche d'abord les femmes. Et j'irai chercher quelqu'un dont on ne peut parler, sinon dans les cercles de maniaques de politique, mais qui se démarque comme démocrate dans un État qui est conservateur, le Kentucky. Et j'irai avec Andy Beshear. M. Beshear vient de gagner une course qui a été particulièrement difficile. Et dans un État conservateur, un démocrate qui s'impose alors qu'on vote habituellement républicain, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Dans l'ordre, donc, en question de notoriété, si on devait remplacer Joe Biden, il faut aller quand même assez vite, faut gagner des votes très vite. Mme Whitmer a déjà l'avantage d'être connue au plan national. C'est un nom qui circule depuis assez longtemps. M. Beshear, ben écoute, si de notre côté de la frontière, les gens qui nous écoutent ce matin ne le connaissaient pas, ça, il ne faut pas s'en étonner. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne le connaissent pas non plus. Mm-hmm. Mais ça vous fait donc un ticket qui est tout sauf, appelons-le comme ça, woke ou trop progressiste. On irait avec des gens habitués de faire des compromis ou de s'adresser aussi à un électorat républicain, aux indépendants, aux indécis. Puis on a même une touche pour un démocrate de conservatisme avec M. Beshear. Donc, si on regarde l'électorat à prendre dans les États pivots, si on regarde les indécis, les indépendants ou les républicains qui, pour une fois, parce qu'ils en ont assez de Trump, voudraient voter pour Joe Biden, je pense qu'on a un duo qu'on est capable de leur vendre et de leur vendre assez rapidement. Mais pour ça, on se l'était dit la semaine dernière, il faut que Joe Biden accepte de quitter. Ce qui émane de la fin de semaine, c'était attendu. Donc, on va s'enfermer à Camp David, c'est une rencontre qui était prévue. On sort de là, puis on dit, ben Jill, l'épouse de Joe Biden, est d'accord pour qu'il y retourne, ses proches aussi. Il faut se donner du temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'on sorte de là en disant, Joe rentre à la maison. Là. On va écouler la fin de la présidence, mais on ne retourne pas sur le sentier de la campagne électorale. Donc, c'est pas exclu encore tellement les pressions sont fortes et que la panique est grande. Donc, c'est pas exclu qu'on change. Moi, je pense qu'on a un duo avec Whitmer et Beshear qui peut faire du kilométrage ou du millage puisqu'on est aux États-Unis. J'ai hâte qu'on continue de parler de tout ça parce que, comme tu le dis, les pressions sont fortes. Ça se pourrait que la situation change et évolue assez rapidement. Luc Laliberté, merci. Une bonne journée.